oui, la moujoule, moujoule. Mais par contre, en troisième petite, c'était un peu juste. Hein. Il n'y a plus d'essence. Là, il n'y a plus d'essence. On a fait deux tours. Ouais, j'ai encore pris mes primes aujourd'hui. Mais c'est écrit en français. Ouais, tu penses que c'est une blague? Ah non, 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 mais les Portugais parlent très bien français. D'accord. Ils auraient pu mettre sur celle de mon copain, hein. Pourquoi sur la mienne? On était garés au même endroit sur le trotteur. La journée était bien. Oh, la bouffe était bonne. Oh, la bouffe était bonne. C'était essentiel. Il y avait très beaux paysages, jolis tramways, de belles conductrices de tramway aussi. Ah bah oui, ça vous n'avez pas vu, vous n'avez rien vu, on vous a pas vu. Vous n'avez rien visité. La question, mais que fait Bezo dans un rallye? En plus, une caméra, je vais pouvoir m'exprimer. Eh ben, je m'occupe du jambon, des cochons. La cuisse bon, arrière et la cuisse avant. Un quart d'heure de boulot par jour. Ouais, un quart d'heure de boulot. Qu'est-ce qu'il pose ces questions-là? Il travaille la cuisse. Il travaille la cuisse. Alors, c'est pour l'apéro remorque? Oui, tout à fait. Et puis je peux dire qu'il y a des gourmands aujourd'hui. On ne s'est même pas trompé, il n'y a même pas eu d'erreur. Il y a eu juste un moment donné, il y a marqué sous l'autoroute et c'est sur l'autoroute. Mais c'est juste pour qu'on voit qu'on l'a bien lu, hein, c'est ça. Merci Jean-Jacques. Je suis au Portugal, mais je suis sur le circuit d'Estoril. Alors, ça y est, on l'a fait. Voilà, c'est super, hein. Sur le whisky, moi j'ai un peu de place. Marius, la journée magnifique. Là, j'apprécie le vent, le froid. C'est nickel. C'est horrible, c'est horrible. C'était une voiture qui appartenait à un ami de mon frère, qui l'avait acheté à un homme qui travaillait le marbre. Elle était terriblement brouillée. Et l'ami de mon frère, il l'a mis dans un abri et après il l'a totalement démonté, partout. Après tout, l'abri, il était dans la maison d'un familier. Et on lui a dit, il faut tout ramasser. Okay. Il nous a dit, vous voulez la voiture? Okay. Et on a ramassé la voiture. Ça veut dire la voiture et tout ce qui était. C'est bien sûr. Un peu camus parce qu'il est bon. C'est un participant. Hein, qui vient de. Je ne sais où d'ailleurs. Savigny-les-Baunes. Hein, le Clos du Roi. Eh bien, prenons un verre à sa santé. Il n'est pas encore arrivé, mais tant pis pour lui. Nous allons boire à sa santé. C'est qui le Normand là? Il est pas là, là son collègue là. C'est bravo pour vous de venir si loin. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé Alain? Oh bah, on a fait le tour de la ville deux fois en bus et on est un peu à la bourre quoi. Et puis l'arrivée de nuit, c'est un peu difficile que deux jours. Gasoline, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, on a visité. Vous êtes légèrement en retard. Beaucoup visité. Tout roulait bien, puis à un moment donné, j'ai dit, il y a la branche. Oui. Et t'es tombé de la branche? Pile au kilométrage, je lui dis, je pense qu'il faut tourner à droite. Et puis il dit, oh, j'ai pas vu, c'était un peu... Il a tourné à gauche. Un peu trop tard, et puis il a continué. Pourquoi es-tu arrivé si tard? Eh bien, on était chercher Belém, la tour de Belém, puis ben, il faisait nuit, on a pris l'autoroute, et puis on a commencé à jardiner. Donc on a tourné en rond, on s'est retrouvé dans les champs,